lorsque l'on vit dans une région minière comme l'Abitibi-Témiscamingue, il n'est pas rare d'avoir dans sa famille ou dans ses connaissances quelqu'un qui travaille sous terre. D'ailleurs, on croise souvent ces travailleurs sur la route très tôt le matin. Tous les jours, ils ou elles s'engouffrent à plus d'un kilomètre sous la surface pour de longues heures afin d'accomplir leur métier. Pour plusieurs d'entre nous, le milieu souterrain peut paraître hostile. À des centaines de mètres de profondeur, il n'y a plus de lumière. C'est souvent très humide et chaud. Les murs sont de roche et de métal. C'est un milieu dur. Pour travailler dans ces conditions, les hommes et les femmes doivent avoir, au-delà de la formation, un certain tempérament et des qualités qui ne sont pas données à tous. Mais même en faisant ce choix de carrière, les premières descentes sous terre ne sont pas toujours évidentes. C'est une rampe qui partait de la surface. Puis c'est sûr que c'est assez trippant au début, mais la première raide de cage est encore plus énervante, excitante. Moi, je suis pas un gars de cage. Moi. J'aime pas prendre la cage. J'ai jamais aimé ça, j'ai jamais trippé. J'ai jamais aimé pas avoir le contrôle. Autant quand je prends les avions que quand je prends la cage. Première fois que j'ai descendu sous terre, je n'ai plus jamais voulu redescendre de ma vie. Tu sais, je me sens coincée comme un garde-robe. Quand c'est petit, j'aime pas ça. Puis là, j'avais pas peur, puis je me trouvais tough. T'sais. Je vais regarder dans le crack en rentrant dans la cage qui sert d'ascenseur. Et j'ai vu une lumière vraiment loin. Elle est là, ouf. Puis tu sais, quand t'es pas en connaissance de cause, moi, j'imaginais la cage, l'ascenseur accroché au bout du corps, puis qui descendait dans le vide, là. Et là, je me suis arrêtée de parler, puis le cœur débattait, puis ça descend longtemps, maudit, là. Mais rendu en bas, la ronde, c'est vraiment creux. Quand t'arrives en dessous, les oreilles bougent. Puis la première fois que tu descends, comme moi, ils ont pas débloqué avant midi. Puis on est descendu, il était 8 heures. Fait que mes oreilles débloquaient pas, j'entendais absolument rien de ce que l'instructeur nous disait. Parce qu'on était étudiants, c'était nos modules qu'il nous donnait au début, tu sais. J'entendais absolument rien, puis c'était sourd, puis là, je me disais, je voyais de la roche, il faisait chaud, puis... Quand j'ai remonté, j'ai dit à mon père le soir, j'ai dit, moi, c'est fini, plus jamais, je descends sous terre, j'aime pas ça. Pour vrai, j'ai vraiment détesté, mais il m'a dit, garde, retourne-y, c'est sûr que les premières fois, t'aimes pas ça. Puis la deuxième fois, là, quand je suis allée voir les trucks, les scoops, puis la machinerie, puis le domaine du mécanicien, les gros garages sous terre, c'est vraiment énorme. Là, par exemple, j'ai trippé. Là, j'ai accroché, mais ça a resté comme ça. Selon moi, pour être un bon mineur, il faut que tu sois quelqu'un d'actif, d'en forme physiquement. Leadership aussi. Beaucoup leadership, parce que ton boss, il n'est pas tout le temps derrière de toi pour te dire « OK, ben là, fais ça, puis là, t'as fini ça, fais ça. » Faut que tu vois la job. Il y en a beaucoup qui ne le voient pas. Faut que tu vois qu'est-ce que tu vas faire après. Faut que tu sois, travaillant, en fait. Faut que tu sois travaillant, que tu veuilles travailler. Ce que j'aime beaucoup, c'est souvent le calme. Quand tu descends sous terre et il n'y a pas une machine qui fonctionne, c'est calme, c'est le bruit à zéro. La lumière aussi dans le noir, je trouve que je me sens bien. Puis c'est assez drôle à dire, mais en sécurité. Avec le temps, les mineurs finissent par s'habituer et la passion du métier reprend le dessus. La routine et les tâches quotidiennes rythment le travail sous terre. Bien qu'il soit difficile d'oublier son environnement de travail, ils arrivent tout de même à y être confortables. De nombreuses petites choses leur procurent ce confort, notamment leur boîte à lunch. Sandwich, moi, tout le monde rit de Normand Mercier, Amine. Parce que c'est toujours le même lol. Lol chanté, sandwich, brocoli, chou-fleur, petite tomate, cocombe. Des sandwichs au ballonné, je dirais. Nous autres, la refuge est très loin de notre place de travail, donc on n'amène rien de chaud. Souvent, ça va être un Joe Louis, puis un Pepsi, une pépette, puis un snack pack, un sandwich. Fait que j'ai pas mal tout le temps de l'eau, des fruits, mon lunch. Ben, des cochonneries, là, des chips, biscuits, des petits gâteaux, mon plat de peanuts, la compote et tout. Hein.
la junk food un peu. Là. C'est sûr que des fois, on se garde et on s'apporte un petit Subway, là, mais trois quarts du temps, là, c'est des petits gâteaux ben, ben gros. Là. Du fromage et tout. Pas fromage. Souvent, j'adore emmener une salade. Souvent, là, une salade César avec du poulet. Des bortandes, beaucoup. Des fruits et des légumes. Souvent, des légumes. À part ça, des bouteilles d'eau. Majoritairement, des cannes de thon. Ça, c'est une grosse mode à Pinaca. On a peut-être des cannes de thon. C'est une protéine, on adore ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Bien souvent, j'ai de la misère à fermer ma boîte à lunch parce que je la remplis plus que je peux. Là. Parce que ça m'est déjà arrivé de rester coincé plus que 5 heures sur terre. Puis bien souvent, bon, on sait pas, ça peut être 5 heures ou 5 jours. Fait que d'habitude, moi, j'ai tout le temps mon plat de peanuts de survie que j'appelle. Que j'ai tout le temps un plat de peanuts que je garde. Il prend bien de la place dans ma boîte à lunch, mais je me dis qu'un jour, quand je vais en avoir de besoin, je vais être content de l'avoir. Là. Je vois les roches travailler un peu, une craque. Je suis beaucoup à l'affût. Puis les gars, ils risquent de moi, ils m'appellent la parderie. Là. Mais tu sais, il arrive un coup de terrain, mais je suis partie. Là. Mais tu sais, peut-être que je vais avoir une chance de survie. Il arrive quelque chose. Là. Mais non, moi, je suis tout le temps nerveuse. Puis j'ai toujours la conscience que je suis tard. Puis j'oublierai pas que. Peut-être plus au niveau du garage. Tu sais, il y a tout short-cuité, il y a des lumières. Là, là des fois, je goûte le plancher de ciment. Tu oublies presque que t'es sous terre. Mais non, c'est quelque chose qu'on pense tout le temps. Moi, j'ai pas de superstition, ben, je te dirais. Je pense tout le temps que je vais ressortir de là. Plus dans le positif que dans le négatif, moi. Fait que je suis pratiquement tout le temps sûr de sortir de la mine. Fait que j'en rentre même pour sortir d'autres des fois quand il arrive des événements. Fait que ça doit être parce que je pense que je vais ressortir tout le temps, t'sais. J'ai grimpé dans les arbres puis sauté des toits des camps quand j'étais jeune parce que le toit était casse-cou un peu, mais. Risquer sa vie telle quelle, pas vraiment. J'ai un petit peu peureux même, je te dirais, en avion, puis dans la cage en descendant. Que... Non, c'est pas ça qui a fait que j'aime mon métier. Ouais, moi, j'ai le vertige, j'ai jamais aimé la cage. J'ai jamais aimé vraiment pas avoir le contrôle de ce qui peut se passer, parce que tu l'as vraiment pas. Tu es à la merci d'équipement, puis d'un Westman. Qui... Donc, non, je suis pas un gars de cage, c'est pas ça. Bien que dans l'imaginaire collectif, le métier de mineur en est un très risqué, les conditions de travail et les efforts en santé et sécurité ont grandement contribué à diminuer les risques de ce domaine. L'environnement restait très dur, mais lorsque l'on regarde les faits, les techniques, la prévention et la formation ont grandement amélioré les conditions de santé et sécurité de chacun des travailleurs. Il faut se rappeler qu'autrefois, le métier de mineur était très risqué. La mort rôdait au quotidien dans les galeries souterraines. Maintenant, il y a beaucoup moins de risques sous terre. Il y a beaucoup moins de risques, mais il y en a toujours trop. Le risque zéro ne sera jamais atteignable dans aucun site de production, que ce soit dans les mines ou ailleurs, dans un autre champ d'activité. Toutefois, ce qu'il faut noter, c'est que le métier se fait dans l'humidité, dans la noirceur, dans une ventilation parfois déficiente, où c'est dur partout, là. Le mur est dur, on est entouré de fer, de métal, c'est dur. Toutes ces conditions-là, bien sûr, de certaine façon, ça va avoir une influence sur la santé des mineurs, c'est clair, et leur façon de voir le travail. Il y a eu une chute drastique du nombre d'accidents mortels maintenant dans les mines. Une mort, c'est déjà une mort de trop. Mais maintenant, il y a beaucoup moins de décès enregistrés dans les mines souterraines, donc il y a eu un grand effort consenti en ce sens. Dites-vous qu'il y a plus de risques d'accidents au prorata de la population ouvrière dans une usine de transformation de la viande que dans une mine souterraine. Donc, il faut relativiser un peu la catastrophe. Bon, regarde, les mines aujourd'hui, c'est plus ce que c'était avant, c'est sûr. C'est sûr que c'est un milieu propice aux blessures parce que c'est un milieu que tu travailles physiquement. Donc, tu peux avoir des blessures normales aussi. Mais, tu sais, niveau, si toi, tu as des coups de terrain, tu as des projections de roches quelquefois, tu as des roches qui tombent, mais tu sais que le support de terrain qu'on a, on évalue tout ça, c'est. Le risque de gros accidents est minime. Aujourd'hui, dans les mines, exemple, il va y avoir un gros coup de terrain, on va être capable de le localiser où ce qui est. Il y a des barricades, tu sais, on barre toutes les places où il y a des trous.
le risque de danger est minime, puis c'est si souvent les accidents qui vont arriver, c'est une négligence du travailleur. Beaucoup, 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 à part des accidents mineurs. T'sais, moi, j'étais déjà arrivée, je me suis cassé un doigt, mais tu sais, j'ai voulu déprendre une roche, puis je me suis cognée, puis je me suis cassé le doigt. Mais tu sais, c'est pas de la faute de la mine ou de la situation, de l'environnement. C'est que tu fais un travail physique, puis il peut arriver quelque chose. Milieu dangereux, je serais pas prête à dire ça. Oui, quand on descend sous terre, c'est sûr qu'on y pense. T'as un travail, des fois, tu te dis, crime, ça peut arriver, et on sait jamais. T'sais. À chaque fois que je descends sous terre, en tout cas, j'y pense. C'est sûr et certain qu'il peut arriver quelque chose, mais on essaie de pas trop y penser. Je suis beaucoup sécuritaire parce que je pense, en fait, à chaque fois que je rentre, j'ai de nouveaux projets. Je fais beaucoup de quatre roues, skidoo, beaucoup de bateaux, camping. Puis, tu sais, on s'organise toujours comme là, on s'en va au BC. T'sais, c'est un gros projet que ça fait 3 à 4 mois que je prépare, que je pense. Puis, quand je travaille, je pense à ça. Puis, je me dis, Kim, il dit, si je fais un coup plat, exemple, que je monte sur les ridelles du ciseau, les rambardes, si je monte là-dessus, puis, exemple, je tombe, ben je vais me blesser, puis je serai pas capable d'aller au BC, puis je vais passer un hiver. Très plate. Parce que moi, ma passion, c'est ça, c'est ma vie. Mais l'hiver, mon moyen de transport, c'est en skidoo. Je vais à la pharmacie en skidoo, tu sais. Être mineur implique de suivre des règles strictes et de se responsabiliser face aux risques encourus sous terre. Le travailleur est autant responsable de sa sécurité que celle de ses collègues. Les mineurs ont souvent une seule chose en tête lorsqu'ils entrent au travail, celle d'en ressortir en forme et en santé. Ben oui, c'est sûr que wow, c'est le petit feeling qui nous garde en sécurité un peu. Hein. C'est ce feeling-là qui te dit, la petite voix en dedans qui te dit que des fois, ce que tu fais, ben, ça pourrait être dangereux. T'sais. C'est sûr que c'est un milieu à risque. Là. J'ai pas juste le plancher, moi, à surveiller. J'ai 4 murs qui peuvent être assez dangereux. Là. On sait jamais c'est quand que ça peut nous tomber sur la tête ou qu'on peut se blesser. Puis qu'on, justement, on travaille dans le noir quasi absolu. Oui, c'est très important de l'avoir, cette petite pensée-là qui dit « OK, si je fais pas attention, je vais me faire mal. » Ben, il faut tout le temps l'avoir, parce que justement, quand cette petite pensée-là disparaît, là, c'est là que les risques arrivent. Là. C'est quand tu te sens trop en confiance, puis que tu te dis que tu es invincible, qu'il n'y a rien qui va t'arriver, là. C'est là que ça frappe. C'est de toujours rester prudent, puis de toujours se dire que qu'est-ce que tu fais, ça peut avoir des conséquences. Là. Fait que, c'est de garder ça en tête que oui, c'est dangereux, mais d'essayer de contrôler son environnement le mieux possible. Là. Je pense que si il y en a un qui commence à avoir peur, mais ça peut. Là, il va peut-être en avoir un autre qui va avoir peur, puis etc. Je pense que ça pourrait avoir juste un effet pervers. Là. Non, on s'en parle pas, on est ben trop mal pour ça. C'est sûr que c'est dur à juger. Nous, moi, je suis allée sous terre parce que j'ai eu la chance d'y aller pendant l'école, mais sinon, je suis jamais allée. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait en dessous de la terre. Fait que oui, on dit que c'est dangereux, mais dangereux à quel point, je peux pas te le dire. Je le sais pas ce qu'il fait. Fait que c'est sûr que moi, je suis pas quelqu'un de stressé. Fait que ça me stresse pas ben, mettons. Mais c'est sûr qu'on y pense. C'est quand même le risque qu'il peut arriver quelque chose sous terre, mais il peut arriver quelque chose pour un camionneur qui va rouler sa route. Là. Moi, je le vois de même parce que je peux pas voir c'est quoi vraiment le risque qu'il y a relié avec ça. Là. Tu peux pas savoir c'est quoi tant que t'es pas été le voir, puis c'est un métier qu'on peut pas aller voir, donc c'est quelque chose qu'on pourra jamais savoir vraiment. En fait, étant donné les mesures de sécurité qu'il y a à la mine, ça m'inquiète pas vraiment. C'est sûr que s'il faudrait qu'il arrive à la maison en s'inquiétant, là, probablement que mon niveau de stress augmenterait, mais je dirais que c'est plus le voyageage qui me perturbe que la mine en tant que telle. L'homme ou la femme qui travaille dans la mine, c'est pas juste un travailleur, c'est un père ou une mère de famille, il y a un frère, il y a une soeur, il y a des enfants. Et tout l'impact que peut avoir la santé sécurité ou un accident sur ces gens-là, maintenant, on amène ça dans le milieu de travail pour que les gens vraiment modifient vraiment des comportements là, pour améliorer davantage en santé sécurité. L'industrie minière a fait beaucoup de chemin.
En matière de santé et sécurité, l'association minière a été créée sur justement cet enjeu il y a 80 années, cette année. Et comme toute industrie, ben, on a travaillé sur l'équipement, les méthodes de travail, le milieu de travail. On a regardé tout autour des tâches, effectivement, pour s'assurer qu'on travaillait de façon sécuritaire. Au cours des derniers 20 ans, on a réduit nos fréquences d'accidents de près de 75 %. Tout ce chemin-là qu'on a fait, est très fort. On a atteint un certain plateau. On n'a pas dit on reste là, on est bon. On a dit qu'est-ce qu'on fait pour encore faire mieux. Et on a développé, on est en train de développer ce projet, cette approche des déviants positifs pour faire en sorte justement d'aller encore plus loin, d'être encore meilleur en santé et sécurité. De subvenir aux besoins de leur famille, ils effectuent de longues heures de travail. Ils sont quelquefois appelés à travailler sur de grandes périodes de temps, sur des horaires atypiques et même loin de leur domicile. C'est un choix difficile pour certains, mais agréable pour d'autres. Ça, avant, sûr qu'avant, je partais pendant 7 jours. Fait que c'était plus facile à gérer, on peut dire. J'avais pas à descendre à toutes les soirs, puis... avoir justement la famille, tu sais, quelques autres, et 2 heures le matin, 1 heure le matin, ils se réveillent, puis ils pleurent, mais c'est moi qui se réveille, puis c'est moi qui vais être brûlé le lendemain. Là. C'est sûr que c'est différent un peu, c'est de trouver le juste équilibre entre les deux, là, vraiment par rapport à l'horaire, là, puis surtout quand je vais être, quand je suis en congé aussi, ça me permet quand même de me faire une bonne routine, tu sais, parce que j'ai quand même 7 jours que je travaille pas. Ouais, ça tombe, mettons, j'ai un 7 de jour, un 7 de congé, après ça, je retombe avec un 7 de nuit. Là. Fait que c'est vraiment de s'en revirer de bord, là, comme quand la journée d'avant, tu sais. Faut que je m'en revire de bord, comme tu vois, moi, je travaille demain, fait que là, faut que je me couche tard à soir. Là. Mais, tu sais, dans 2 semaines, ben, on va faire ma couche de bonne heure, c'est un petit peu plus dur. Oui, ben surtout à cause que tu sais, je me suis acheté une maison, puis je trouvais ça important de pouvoir être à la maison tu sais, quand même tous les soirs. C'est sûr que je fais beaucoup de voyages, donc j'ai pas beaucoup de temps que je peux passer avec la famille, mais quand j'arrive le matin à 7h le matin, puis que les enfants ils se lèvent, puis qu'ils ont un gros sourire, puis qu'ils sont super contents de me voir, tu sais, je me dis que ça a fait ma journée. J'ai fait des jobs à l'extérieur que je voyageais pas. Là, comme celui-là, je travaille sur le 7-7, mais je voyage. Donc, je suis chez nous tous les soirs quand même. Fait que ça donne quand même une belle qualité de vie là, quand tu penses à ça. Mais les jobs à l'extérieur, c'est sûr que partir, s'exiler pour aller travailler, casser de la roche, être loin de ses enfants, c'est pas quelque chose que je serais capable de faire personnellement. Donc oui, ma vie tourne autour de mon métier, mais c'est quand même des belles horaires quand tu checkes ça, je suis capable d'endurer 13 heures loin de ma femme et de mes enfants. C'est pas pour moi une difficulté, mais je te dirais que je côtoie des gars qui travaillent en dehors, outre-mer, puis qui sont partis 2 mois et demi, puis les enfants parlaient pas, ils reviennent, puis ils chantent, tu sais, fait que c'est pas toujours rond, ce côté-là. Et moi, mon horaire, ça ressemble, c'est des runs en fait, 7-7. Donc, 7 jours partis, 7 jours arrivés. Je prends l'avion quand je suis du jour le mardi soir, je fais ma run de 7 jours, j'en viens le mardi soir ou de nuit. On part le mercredi après-midi et on revient le mercredi matin après notre shift. C'est des shifts de 12 heures, qui est, dans le fond, on descend sous terre là, à 6 heures et on remonte vers les 5h30 pour aller se débadger avant, enlever notre tag de présence sous terre avant les 6 heures. Pour procéder au blast. Je te dirais qu'avant d'avoir mon conjoint, j'adorais faire des runs où, exemple, mon ex-conjoint travaillait en ville. Il était toujours là. Là, je te dirais que je trouve ça assez compliqué à matcher. Puis c'est dur d'avoir des vacances. Tu vas prendre une journée de vacances, c'est correct. Nous, il faut en prendre 5 à peu près pour essayer de fitter avec les avions. Puis les avions sont tout le temps pleins. C'est une réalité qui est vraiment dure. Au niveau, si exemple, t'as un mariage un samedi, il va falloir que tu prennes 5 jours pour ça. Je trouve ça dur à matcher aussi, étant donné que mon conjoint fait des runs lui aussi. Puis lui, c'est construction, donc il sait pas combien de temps qu'il part, il sait jamais où qu'il va, il sait jamais quand il est congé. Et là, moi, j'arrive, j'en ai aucune idée quand on va se voir, que
C'est assez compliqué. Mais j'aime encore faire des runs. J'aime partir. J'aime aller là-bas. T'sais, le souper est prêt. T'as pas de vaisselle à faire. T'as pas de char à tanker. T'as pas de voyage à faire. Il y a un gym. On a une vie familiale un peu là-bas. T'sais, j'ai une nouvelle copine de fille là-bas. On s'en va s'entraîner. On va à la salle de musique écouter les gars jouer de la musique. T'sais, je veux dire, on a une autre vie qui est vraiment amusante aussi. Fait que j'aime les runs pour ce côté-là. Ici, en ville, après ton shift, tu vas aller t'entraîner, mais là, parce que t'as 15 minutes de char à faire pour aller là-bas, il fait frais, puis tu sais, là-bas, c'est comme, j'ai rien à faire, je vais aller m'entraîner. Comme plus tentant. Le mode de vie est le fun, c'est run, par exemple. C'est sûr que ça va arriver que je manque des moments, des gens que j'aime, exemple, comme je disais, des mariages, mon grand-père est décédé pendant que j'étais pas là. Tu sais, quelqu'un rentre à l'hôpital. Ben, c'est pas encore arrivé extrême, mais c'est... Comme exemple, ma meilleure amie, elle a eu un accident de 4 roues, elle est rentrée à l'hôpital, puis j'essayais de l'appeler, puis ça marchait pas, puis je me suis comme inquiétée. Puis ça, ma tante m'a appelée, elle m'a dit, Joanie, elle a eu un gros accident, elle est à l'hôpital, elle a fait une commotion cérébrale. Mais tu sais, dans ce temps-là, toi, tu te dis, je suis allée au bout du monde, puis tu paniques, tu n'auras pas d'informations tout de suite, là. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est pas encore arrivé, puis je souhaite pas que ça arrive. C'est plus à ce niveau-là que j'ai peur, tu sais, des mariages, de toi-même. C'est sûr que t'en manques, mais c'est pas. C'est sûr que sur le mariage de ma soeur, ça serait quelque chose d'autre, mais dans ce cas-là, je prendrais une semaine de vacances. Mais ma crainte, moi, c'est ce qui arrive, un accident, quelqu'un, puis que je sois pas là, puis que j'aie pas des hommes. Le femme accouche pendant qu'ils sont là la fin de semaine, ils ont pas d'avion pour descendre, puis c'est plus eux autres. Moi, il y a pas de danger que j'accouche, puis que je sois pas là. Hein? Maintenant, quand c'était la fête à Audrey, on dirait que je suis timé pour toujours manquer la fête à Audrey. Tu vois, c'est de faire, on fait nos horaires, tu sais, en fonction de mon emploi du temps, hein, pour mon travail puis tout, mais il y a des choses que je peux pas, tu sais, je peux pas commencer à prendre des congés tout le temps non plus. Puis, mais oui, c'est sûr qu'il y a des beaux moments, des fêtes de famille que je manque, là, que tu sais, quand la première fois que ton enfant pourrait réussir à marcher, tu sais, je l'ai vu. C'était filmé au moins, Audrey l'avait filmé, je l'avais vu, mais tu sais, j'aurais aimé ça être là. Mais à court terme, avec les jeunes enfants, je dirais que ma priorité, c'est mes enfants. Puis je vois pas d'autres métiers qui pourraient ramener l'argent que je ramène à la maison à portée de vue. Donc à court terme, pas vraiment, mais c'est sûr que quand tu l'as fait 10, 15 ans, 20 ans, ça devient un petit peu blasant, donc tu as le goût d'essayer de quoi de nouveau. J'aimerais ça un jour faire d'autres choses. Quoique j'ai vu des hommes, peut-être des forces de la nature, tu vas dire, le faire minage conventionnel jusqu'à 60, 65 ans, à piquer de la traque à masse, donc ça se fait. Mais là, dire que je serais prêt à le faire jusqu'à 65 ans, peut-être moins. Là. Ça te prend un super bon calendrier de gestion de temps. c'est beaucoup d'organisation. C'est compliqué pour plein d'affaires. C'est compliqué pour les déplacements, c'est compliqué pour les rendez-vous. C'est compliqué aussi par rapport à... Tu sais, c'est sûr, on se voit pas beaucoup, donc on n'a pas vraiment le temps de se voir sur les sets que lui travaille. Puis, mais non, c'est vraiment... Ça devient une jonglerie entre son horaire et le mien. Il faut que je m'accoutume au sien pour réussir à survivre là, avec 3 enfants. Bien que ce métier comporte certains compromis, le fait de travailler avec une équipe soudée amène un esprit d'équipe peu commun. Partager le même quotidien, les mêmes horaires, les mêmes risques et la même passion amène souvent ces hommes et ces femmes à se rapprocher et à développer un fort sentiment d'appartenance. Dans ce milieu à part où l'accès est restreint, la fraternité et l'entraide sont omniprésentes. Au cœur de ce huis clos, de grandes amitiés voient fréquemment le jour. Je travaille en Ontario, je viens du Québec. Fait que des fois, tu pourrais penser que tu as l'impression de te déranger, voler le job. Et c'est une petite communauté, 10-12 000 personnes qui restent là, puis ils ont une mine, c'est ça qui fait virer leur économie. Puis non, les gars, ils m'ont bien accepté. Puis, oh ben, c'est tous des chums, puis ça fait 6-7 ans que je travaille avec eux autres. Fait que il y en a qui s'est rendu vraiment des bons chums. On se voit même dans nos journées de congé, des fois. Ben ouais, c'est 12 heures par jour pendant 7 jours. Ouais. En ligne, il y a des mois que je passe plus de temps avec mon partner qu'avec ma femme.
je dirais qu'on n'a pas la même relation. Oui, ça développe des liens quand même. Moi, je me suis toujours tenue avec des gars à la base. Puis je me sens à l'aise, je peux parler comme que je parle. Des fois, je suis capable de parler mal avec eux autres. Ça dit des niaiseries, puis tout ça. Puis je vais embarquer avec eux autres. Puis j'ai pas besoin de me retenir. Moi, je peux dire ce que je veux. Puis je le sais que je me ferais pas regarder de travers parce qu'ils sont aussi pires que moi, tu sais. C'est vraiment là-dedans que je me suis reconnue, le non-retenu. Puis les gars, quand ils descendent sous terre, ils tombent tous à la même âge. Tu sais, que t'aies 19 ans, que t'aies 50 ans, ils descendent au même niveau. Puis je dis vraiment, ils descendent au même niveau, là. C'est bébé lala, ça se fait des couplades. Puis c'est toujours comique. C'est là-dedans que je suis allée, puis je parle de mécanique, je parle de mine, je parle de... Tu sais, j'osais qu'eux autres, j'avais du sujet en masse. Tu sais, je me barre pas dans rien. T'sais, c'est vraiment plaisant pour ça. Je te dirais qu'au niveau run, sur des runs comme qu'on fait, nous, on soupe ensemble, on déjeune ensemble, on travaille ensemble, on dîne ensemble, on passe beaucoup de temps, 14 heures, par exemple, dans la journée, 15 heures, plus si on va à la salle de musique, des fois, on est beaucoup d'heures ensemble, la gang. Je trouve que c'est comme mes frères, un peu. Moi, je les prends toutes comme des frères, des grands frères, des petits frères, des vieux frères. Il y en a des plus vieux, tu sais. On s'écœure ben gros, puis on se taquine. Ça fait qu'on a une belle relation. Sérieusement, j'aime ça. Tu sais, moi, je suis pas une fille qui aime être toute seule. J'aime ça le soir arriver, on se raconte nos journées, puis tout ça. C'est vrai qu'on est beaucoup camarades, tu sais. On va se revoir en ville, on se dit « Hey, pis là, on est quand même 6 mois par année ensemble, plusieurs heures. On vient qu'on connaît nos vies. Puis ton chum, comment il va? On vient qu'on connaît nos vies par cœur. On a toute une semaine pour raconter ce qui s'est passé dans nos vies, dans l'autre semaine d'avant. Donc oui, on a vraiment une chimie entre nous, là. Tu sais, quand on descend sur terre, ben, on est tous égales. Il n'y a pas plus de différents, là. Pas parce que t'es un chauffeur de truck que t'es pas capable de venir m'aider ou t'sais, souvent c'est sûr que les autres. C'est sûr que quand on parle de circulation pour les machines, tu sais, il y en a qui sont prioritaires, mais en ce qui est du personnel, il n'y a pas plus personne de mieux qu'un autre. Là, quand on est tout égal sur terre. Là. Le mode de vie de mineur demande bien sûr quelques compromis à ceux qui choisissent de l'effectuer, mais souvent aussi à leurs conjoints et conjointes. Ce métier amène donc quelques inconvénients, mais il comporte aussi ses bons côtés. Je suis fière de ce qu'ils accomplissent, tout ce qu'ils me racontent, je trouve ça impressionnant quand même de ce qu'ils font. T'sais, ils sont quand même bons en dessous de la terre, que personne ne peut aller. Eux autres sont chanceux, dans le fond, de pouvoir le faire. Puis c'est sûr qu'ils s'entraînent en même temps, fait que veux pas, on a ce petit côté-là qui est le fun.